31 years. This is the first 31 years. She's walking. 31 years. Amen. Believing God for a baby. Two babies, not just one. That's what it is. He was blind. Yeah. God bless you. Welcome to Wonder. Hallelujah. Dieu vous bénisse. Bienvenue sur Bible sans nombre, commandeur assolé. Je suis si excité car voici le premier jour d'un nouveau mois et nous sommes en présence de l'Éternel et c'est un jour merveilleux. Oh yami kokoko beni. Oh yami krakaka beni. Oh yami kokoko. Oh yami kra kra kra. Oh yami koko ko beni. Oh yami kra 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 beni. Oh yami koko ko. Oh yami kra kra kra. Oh yami koko ko beni. Oh yami kra 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 beni. Oh yami koko ko. Oh yami kra. Siafumu tenge tewo. Siafumu tenge tewo. Boy Congo, ayanga wokemfa. Boy Congo, ubone yenefi. Boy Congo, ayanga wokemfa. Boy Congo. Siafu mutengetebo, boy kando, ayanga wonkemfam, boy kando, upone yenefi, boy kando, ayanga wonkemfam. Boy, come do, upo me ye ne fi. Siafu mutenge tewo. Siafu mutenge tewo. Boy, come do, ayanga wo kemfam. Boy, come do, upo me ye ne fi. Boy, come do. Boy, come do, upo ne ye ne fi. Siafu mutenge tewo. Siafu mutenge tewo. Boy, come do, ayanga wo kemfan. Boy, come do, upo ne ye ne fi. Boy, come do. Ayanga woke farm. Boy, come do. Upone ye ne fi. Open your mouth and just thank the Lord. Alleluia, on the bottom. Thank him, thank him, thank him. Fort en bouche et remercier l'Éternel. Adorer son merveilleux nom. Voici l'humain. Car voici, nous avons eu l'opportunité d'entrer dans la voie de Dieu. Merci à ma Père. Merci Seigneur dans le nom puissant de Jésus Christ. Mesdames et messieurs, je vous rappelle rapidement, préparez votre bouteille d'huile car après les deux
premier jour de chaque mois, l'homme de Dieu a béni les huiles. Donc préparez votre bouteille d'huile d'onction pendant que l'on se prépare à prier. We are grateful. Nous sommes reconnaissants. Et le chiffre 5, ça fait le chiffre de la grâce. Et ce mois de mai, ce sera un mois de grâce, un mois qui porte le chiffre 5. Et en ce mois, nous savons, Seigneur, que tu nous feras grâce. Tu es le Dieu de toutes les grâces. Car ce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il se fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Nous connaissons cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cet amour qu'il nous a démontré. Cette grâce par laquelle la parole s'est faite chair et a habité au milieu de nous, remplie de grâce et de vérité. La grâce, nous entrons ainsi donc dans un mois de grâce. Le mois qui porte le chiffre 5. Et le mois de mai, c'est le cinquième mois de l'année. Et donc, ce mois, ce sera un mois de grâce, car le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Amazing grace is the sweetest sound that saved my life. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. You took my shame, you took my pain, my Jesus. Now I reign with Him. All my days I see His grace. Everywhere that I go, everything that I do, all I see is grace. Everywhere that I go, everything.
thank you. We Père, nous te remercions. In the name of Jesus. Te retournons de la gloire pour ta grâce que tu nous fais. Merveille sans nombre est une plateforme de prière, un autel de prodiges où les gens sont entraînés à l'acte de la prière et deviennent amoureux de la parole de Dieu. Alors si vous êtes connecté maintenant, likez maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum autant que vous pouvez et que le Seigneur vous bénisse. Et invitez vos amis maintenant, dites-leur que Merveille sans nombre a commencé, qu'ils se connectent, qu'ils nous rejoignent. Car tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Je suis si excité et content de ce mois, car ce mois, c'est le doigt de Dieu. Dans Luc 11, 12, eh bien, les pharisiens ont parlé, ils ont dit à Jésus-Christ, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors que le royaume de Dieu est donc venu à vous. Exode 8, 19, on a vu les actes du doigt de Dieu, car quand Pharaon, d'accord, et les magiciens ont vu, d'accord, ce que Dieu faisait, et bien même les magiciens ont témoigné que voici, c'était le doigt de Dieu. Donc en ce mois de mai, nous allons voir beaucoup de manifestations. Dans Exode 31, 18, et bien la manifestation du doigt de Dieu, d'accord, n'avait jamais été aussi suffisant. Car quand Dieu a parlé à Moïse, quand il lui a donné, d'accord, en fait, les commandements sur la tablette, et bien il les a écrits avec son propre doigt, le doigt de Dieu. Et donc, et quand on regarde un peu, d'accord, la vie du peuple d'Israël, et bien c'était le doigt de Dieu qui les a fait sortir de la captivité d'Égypte. Alors nous allons prier ce matin, nous allons dire ce mois, Seigneur, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. L'imitation, c'est l'Égypte dans votre vie. L'imitation, c'est toute controversion. L'imitation, c'est tout joug. C'est toute captivité. L'imitation, c'est tout esclavage que vous subissez. Alors, Seigneur, en ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, Seigneur, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, Seigneur, sors-moi de toute limitation. Écrivez cette phrase maintenant sur votre statut WhatsApp, sur vos statuts Facebook. Facebook, vos statuts, Messenger, Telegram, etc. Écrivez-la également dans la section des commentaires, que cela devienne votre prophétie écrite. Et hashtaguez Merveille sans nombre. Ce mois, Seigneur, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, Seigneur, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, Seigneur, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. This month, by your finger. En ce mois, Seigneur, sors-moi de toute limitation par ton doigt. Bring me out of every limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. Bring me out of every limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. This month, by your finger. Répétez après moi maintenant. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation. En ce mois, par ton doigt, sors-moi de toute limitation, Seigneur. Seigneur, parle la force angélique, par le ministère angélique, Seigneur, intervient dans ma vie. Dans ce mois de mai, dans ce mois de grâce, que ta grâce parle pour moi, Seigneur, en ce mois de mai. Sors-moi de toute forme de limitation, toute forme de limitation qui est posée sur ma vie, qui est posée sur mon destin, toute forme de limitation posée sur mon ministère, toute forme de limitation posée sur mes enfants, toute forme de limitation.
toute forme de limitation posée sur mes relations, toute forme de limitation posée sur ma vie, posée sur ma santé, posée sur mes projets. Seigneur, enlève toute forme de limitation qui me soit posée par les forces maléfiques, par les forces ancestrales, par les forces familiales, par les hôtels familiaux. Seigneur, enlève toutes ces barrières, enlève tous les embargos familiaux, enlève toutes les frontières, fais lever toutes les barrières sexuelles, fais lever toutes les frontières, posez sur ma vie toutes les formes de limitation, limitation territoriale, limitation financière, limitation professionnelle, limitation éducationnelle, limitation sociale, limitation globale, limitation ministérielle. Seigneur, enlève toutes les barrières, lève toutes les limitations, lève tous les embargos, lève toutes les frontières, lève Seigneur tous les jours, lève tous les rois, toutes les pierres, toutes les montagnes. Seigneur, lève, élève tout Seigneur, par la force angélique, par ton pouvoir puissant, qui a libéré Israël de l'Égypte. Seigneur, libère le peuple d'Israël de cette oppression puissante. Après des années, tu revois, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Nul n'est comme toi, nul ne peut se dresser contre toi. Tu es la force puissante de toi, tu es le Seigneur de tout, tu es le maître de tout. Devant toi, Seigneur, toute force et toute gloire se prosterne. Tu revois, lève-toi, Seigneur, à cause de ta vie, à cause de tes fils, à cause de ta servante, à cause de ton serviteur, à cause de tes enfants, à cause de ton peuple, pour la gloire de ton nom, Jéhovah. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ, de la même façon que les magiciens ont dit à Pharaon que voici le doigt de Dieu en ce mois de mai, par la raison de la délivrance dont vous allez jouir, par la raison des manifestations que vous allez recevoir de Dieu, ce sera visible, ce sera palpable, et l'on dira publiquement concernant votre vie, voici le doigt de Dieu, voici le doigt de Dieu, voici le doigt de Dieu, sur votre vie, sur vos enfants, sur vos bien-aimés, sur votre carrière, votre profession, sur votre ministère et tout ce qui vous concerne. L'on dira, voici le doigt de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, amen. Premier témoignage. Bonjour papa, je tiens à remercier Dieu pour sa miséricorde, sa grâce et sa préservation, sa faveur, travail miraculeux à l'aéroport et mes papiers miraculeux pour le don de merveilles sans nombre et bien d'autres bonnes choses dans ma vie et ma famille. Ingénieur Lio Saï, prospère de France. Merci Jésus-Christ.
Merci Seigneur, que Dieu bénisse le frère et prospère. Il faut que vous sachiez que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Donc quand vous nous voyez d'accord danser, nous réjouir et remercier l'Éternel, c'est pour vous exciter et vous amener également d'accord à remercier l'Éternel, à être reconnaissant à l'Éternel. Donc parfois, eh bien, nous ne tenons pas compte d'accord de ce que nous traversons parce que nous avons au moins le temps de vivre, la grâce de vivre tous les jours. Et donc nous célébrons cela régulièrement et quotidiennement parce que la vie que Dieu nous donne, c'est un don. Et donc apprenons à célébrer cela et à être reconnaissants envers lui. Amen. Bonjour papa, je tiens à remercier Dieu d'avoir établi mes règles ce mois-ci après 2 ans. Je veux également remercier Dieu que merveille son ombre a changé ma vie de prière et maintenant je suis beaucoup plus cohérente dans l'étude de la parole. Merci Jésus, Winnie du Kenya. Alors nous prions d'accord que la grâce de Dieu repose davantage sur votre vie et que votre amour et la passion pour la parole grandissent. Amen. Bonjour papa, je remercie Dieu pour son aide sur ma vie. Je suis tombée dans le péché et en conséquence ma vie de prière et d'étude s'est dégradée. La vie est redevenue généralement difficile pour moi, mais depuis que j'ai rejoint mes veilles en nombre en mars 2024, les choses ont changé pour de mieux dans tous les aspects de ma vie. Merci Jésus. Joshua Comlan du Ghana. Je déclare que l'Éternel vous restaure entièrement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je m'appelle Kate et je viens de l'état de Benoué. J'ai rejoint mes veilles sans nombre en février 2024. Je remercie Dieu d'avoir enflammé ma vie de prière ainsi que la faveur financière sur ma vie. Gloire à Dieu, j'ai été guéri du palu et de la typhoïde après avoir appliqué l'huile bénie par l'apôtre. Merci Jésus-Christ. Amen. La Bible nous a dit, Dieu nous a dit que nous allons entrer sur une terre où coule le lait et le miel. Et donc, notre terre sera productive dans ce mois de mai. Je peux vous dire que ce mois de mai sera un mois productif. Car la Bible nous dit que nous entrons sur une terre là où coule le miel et le lait. Donc, nous allons d'abord en ce mois, voici un mois de prospérité. Répétez après moi, mon père, pendant que je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, voici mon mois de productivité. Je déclare et je répète, voici mon mois de productivité. Ce mois de paix, le mois de la grâce, c'est mon mois de productivité. Je le déclare fermement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois productivité dans tous les aspects de ma vie. Productivité dans mes relations. Je déclare que mes relations deviennent productives dans ce mois de mai, dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute relation qui n'est pas de toi, Seigneur, soit enlevée. Et que toute relation qui doit glorifier ton nom devienne productive dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Que toutes les connexions de mes enfants, de mon époux, de ma femme, de mes affaires deviennent produisent, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare productivité en ce moment de paix, c'est mon mois de productivité, 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 c'est
Puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, amen. La créativité, la productivité et la connexion à des bienfaiteurs. Je déclare que cela devienne votre portion ce mois de mai au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare que votre vie ne sera pas stagnante. Votre vie ne sera pas stagnante. Amen. Et tous ceux qui vous arrachent la paix aujourd'hui, je les enterre au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas une question, vous êtes une réponse, une solution dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, Papa, le Dieu de merveilles sans nombre, encore fait, j'ai appelé le centre d'appel, merveilles sans nombre, quelqu'un a prié avec moi le 19 mars. Et le 20 mars, j'ai obtenu un travail miracle avec un interlocuteur fixe, avec un contrat fixe. Kate, depuis l'Italie. Alors, je prie en ce mois, vous ne serez pas les mains vides, car Dieu va vous donner quelque chose qui vous honore, quelque chose que l'on va envier dans le nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas les mains vides au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je m'appelle Eric PGD de France. Je remercie Dieu pour avoir préservé ma vie et pour avoir éliminé l'homme fort de ma famille et pour m'avoir accordé mon passeport à ma sœur. Merci Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie car en ce mois, tous les hommes forts vont tomber
Dans le nom de Jésus-Christ, amen. My name is Sarah Sunday. On the 19th, je m'appelle Sarah Sunday le 9 avril 2024, lors de Merveilles sans nombre, papa m'a localisé par la prophétie et il avait dit, Sarah Sunday, le Seigneur te donne du repos de toutes les batailles qui t'entourent et il te sort du schéma familial répétitif. Et j'ai dit, amen. Merci Jésus, Sarah de l'Allemagne. Et bien voici la vidéo preuve qui dit, dans le nom de Jésus, je vois Sarah Sondi. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il vous donne du repos de toutes les batailles qui vous entourent. Et il vous sort, il vous déconnecte également de ce modèle maléfique familial. Et il vous positionne sur cette ville, cette cité sur les montagnes. Et votre vie deviendra spectaculaire. Votre vie deviendra spectaculaire de la fidélité et de la bonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Psaume 24, verset 7, verset 7 et verset 9. Élevez vos linteaux. Nous allons crier ce mois de mai. En ce mois de mai, répétez après moi dans ma vie. Élevez vos linteaux. En ce mois de mai, dans ma vie. Élevez vos linteaux, portes éternelles. En ce mois de mai, dans ma vie. Élevez vos linteaux, portes éternelles. En ce mois de mai, en ce mois de mai, dans ma vie, élevez vos linteaux, porte éternelle. Ouvrez votre bouche maintenant et priez dans le nom de Jésus-Christ, comme il est écrit dans Psaume 24, versets 7 et 9. Ô porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire passe en son entrée. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, porte éternelle, élevez vos linteaux dans ma vie, sur ma vie, sur ma destinée, sur les affaires de ma vie, sur tout ce qui me concerne. Porte éternelle, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos portes, ô porte éternelle, dans le roi de gloire, car son entrée, le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, veut s'asseoir sur son trône et régner sur ma vie et ma destinée, et sur tout ce qui me concerne, pour l'accomplissement de la volonté de Rock a
En ce mois de mai, je déclare bénédiction sur vous. Et j'invoque le succès, j'invoque la productivité, j'invoque la récolte, j'invoque la croissance. Et je déclare que vos maisons seront remplies d'abondance. Et ce sera votre mois de grâce, de bonnes choses et de faveur dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis en ce mois, je déclare que votre ciel s'ouvre perpétuellement et la terre que
vous foulez vous bénira. Et la terre que vous foulez vous donnera du lait et du miel. Je déclare que votre ciel ne sera pas assombri et votre terre ne sera pas dure comme du fer. Et je déclare qu'en ce mois-ci que votre front sera plus fort et plus dur que vos ennemis. Et je déclare également qu'en ce mois de mai, l'Éternel vous enverra de l'aide. Il vous enverra du secours. Il vous enverra du secours. Il vous enverra du secours. En ce mois, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois un club de foot qui a beaucoup de problèmes financiers et vos sponsors veulent se détourner de vous. Alors que si cela arrive, beaucoup de personnes vont perdre beaucoup. Mais je déclare maintenant que Dieu est en train d'apporter des bienfaiteurs. D'accord, pour ce club, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vois également une confusion quelque part. Je vois que quelqu'un a perdu une montre et on est en train d'accuser quelqu'un d'autre injustement. Mais je déclare la paix de Dieu dans la maison et je déclare que tout se rétablit car celui qui a pris la montre va ramener la montre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. And give you a testimony. Je vois quelqu'un du nom de Junior Maswell. Le Seigneur ramène la paix dans votre mariage et le Seigneur touche également votre santé. Je déclare la paix dans votre foyer. Ne vous séparez pas comme vous planifiez, car ce n'est pas le plan de l'Éternel pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Je vois quelqu'un qui a trois enfants. Les trois enfants sont malades, mais je déclare la guérison sur eux dans le nom puissant de Jésus-Christ, amen. Si vous êtes malade, posez votre main gauche là où vous avez mal et la main. Étendez l'autre main. Je déclare la guérison dans votre système, dans vos tissus, dans vos os, dans vos tendons, dans vos sinus et toute fibre mal dans votre corps, que tout soit fixé. Et je vois, vous êtes guéri complètement dans le nom de Jésus-Christ. Et je vois quelqu'un, vous avez tellement chaud que vous avez l'impression que vous êtes en train de brûler sur un feu. Mais je déclare que cette expérience prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, préparez votre bouteille d'huile. Nous allons les bénir et prier avec dans quelques minutes. Pour l'instant, nous allons alors évoluer d'accord vers les offrandes. Je déclare que la main de Dieu repose puissamment sur vous pendant que vous donnez vos offrandes. Que sa bénédiction soit votre portion pendant que vous donnez votre offrande. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Let's take advantage of this. Those who live in Ghana, live in South Africa, live in America. In the name of Jesus, as you give your offerings, may the Lord bless you. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, parce que vous donnez vos offrandes, pendant que vous donnez vos offrandes, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous ouvre, que vos ciels s'ouvrent perpétuellement selon d'où vous nous suivez, en Sierra Leone, au Cameroun, au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, les pays environnants, d'accord, les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est. Vous avez toutes les informations, d'accord, pour vous permettre des transactions plus faciles. Amen. Père, je les bénis et je bénis leurs offrandes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je tiens à remercier Dieu d'avoir réparé mon téléphone après avoir appliqué l'huile bénie par papa le dimanche 7 avril. Je remercie également Dieu pour l'argent miracle Ungwa du Qatar. Bonjour papa, je viens remercier Dieu avec un cœur joyeux, et car mon titre de séjour a été délivré après une longue attente. Merci Jésus. Enoch Acha, Camerounais résident aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, je prie que vos attentes ne prennent plus du temps d'accord à se manifester. Je déclare que tous ceux qui espèrent avoir leur papier de résidence, que le Seigneur vous les délivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je suis Sarah de la Zambie. J'ai passé mon examen de comptabilité. J'ai échoué. Mais l'année dernière, j'avais un examen prévu pour l'après-midi. Alors, j'ai rejoint Merveille sans nombre et papa a prophétisé que tu
tu as écrit des examens et tu as échoué, mais aujourd'hui tu réussiras. Alors je dis Amen. Gloire à Dieu, j'ai réussi l'examen de comptabilité et tous les cours. Merci Jésus. Père, nous te disons merci, nous te retournons toute la gloire pour ces témoignages et nous en recevons les bénédictions. Amen. Ouvrez votre huile maintenant, je déclare que cette huile est bénie pour les miracles et les prodiges et les merveilles et des manifestations surnaturelles de la puissance de Dieu et des merveilles étranges. Que la présence de Dieu repose sur ces huiles puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Dites au nom de Jésus-Christ, voyez-vous, pendant que je moins, je déclare au mois de mai, en ce mois, productivité, créativité, influence, affluence, acceptance, grâce, impact. Dans le nom de Jésus, viens sur moi. Je suis béni au-dessus de tous. Je suis béni et je suis protégé au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est le moment des requêtes de prière personnelles. C'est le moment des prières personnelles, d'accord? Alors, présentez vos requêtes personnelles à l'Éternel maintenant. Ouvrez votre cœur à votre Père, parlez-lui, demandez-lui. Présentez-lui les requêtes de votre cœur maintenant et il vous écoute. Amen. Father, we thank you for answers. Père, nous te remercions pour l'exaucement. Nous déclarons exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces requêtes soient accomplies. Recevez l'argent miracle. Recevez une augmentation de salaire. Un meilleur emploi. Une promotion. Vos passeports. Votre permis de résidence. Votre permis de résidence permanente. Recevez votre carte verte. Recevez vos visas. Recevez votre promotion et vos permis. Au permis de travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, appelez les différents numéros affichés à l'écran pour toute information complémentaire. Une équipe s'occupera de vous et l'on priera avec vous au besoin. Vous pouvez également toujours envoyer vos témoignages et également vos requêtes de prière sur les différents mails qui sont disposés pour cet effet. Nous rappelons rapidement notre croisade au mois de mai, naturellement le 22 et le 23. Ce sera donc notre croisade à New York aux USA et le 21, comme je le rappelle déjà depuis quelques jours, et bien ce sera la rencontre avec moi et tous les partenaires et membres de la famille Merveille sans nombre. Alors après New York, ce sera le Venezuela. Après le Venezuela, on aura Manchester. Après Manchester, on aura un autre pays, d'accord, et ainsi de suite. La croisade évolue ainsi cette année. Et je prie, d'accord, que sa grâce nous porte loin encore et encore pour la gloire de son nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a un nom pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Que quelqu'un dise, mon heure a sonné. Que Dieu vous bénisse.